Salut tout le monde, c'est Antral, comment allez-vous? Et aujourd'hui, on se retrouve chez moi. Et ça a changé pas mal depuis la dernière fois, et je vais vous montrer tout cela en vidéo. Donc, déjà, les poulets, avec un petit système de catapultage dans la trappe. Attendez, je vais baisser un peu le son, parce que moi, ça gueule. Voilà. Donc, les poulets, donc les œufs sont tirés et ils s'accumulent là. Donc il y a des tryhards, donc ça fait 28 poulets. On est 3 sur le serveur en ce moment. Les moutons, je les ai mis là. Et les vaches aussi, parce qu'elles se barraient tout le temps par je sais pas quel moyen, des glitches. Ici, avant, il y avait des coffres, comme vous pouvez le constater. Ils sont tous descendus dans une salle des coffres que je suis en train de faire, mais qui, bien sûr, n'est pas au point. Et que je décorerai et que j'améliorerai, mais pour l'instant, c'est ici. Pour de simples et bonnes raisons. C'est que j'en ai fait marre d'avoir des coffres traînés partout. Puis autre, donc il y a encore cela à ranger, mais comme j'en ai fait marre, j'ai retrouvé l'œuf du dragon. Enfin, Rayor a retrouvé l'œuf, donc en fait c'était dans une grotte où est ma salle des coffres en ce moment. Donc il s'était dit qu'il allait faire. Merde. Arrêtez-moi que c'est mort. Je suis allé un peu farmer les Ender Bull. Hop, donc vous pouvez le constater. Redimax qui vient de mourir. Il doit être un petit peu dégoûté. Je crois que c'est en farmant son usine. Et en plus, voilà. Donc, niveau bouffe, je suis assuré. Et les petits champs. Là derrière, donc patates, carottes, blé. Et. Enfin, les verrues du Nether. Et voilà. Et là au-dessus, je compte créer une maison. Mais aujourd'hui, au programme, c'est on finit ce bâtiment-là. Et après, on retourne au port faire un hangar. Donc, ce bâtiment-ci. Ça sert donc pour ma table d'enchant. J'ai 20 niveaux en plus. Excusez-moi. Et ici, ce sera. Donc en fait, c'est mon bâtiment d'enchantement. Donc c'est une tour un peu de sorcier. Et ici se trouvera ma table d'alchimiste. Avec tous les ingrédients qu'il faut pour faire des potions. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le toit. Note. Excusez-moi, les escaliers, il y en a partout. Il y en a partout. Donc du coup. Mais chercher la table de craft qui se trouve en bas. On va contourner. Ah oui, il y a un lac de lave là en dessous que j'ai toujours pas trouvé. En fait, je cherche pas non plus. Faut pas que je consomme trop de bois parce que j'en ai quasi plus. Hop. Et après, je mettrai des slaps. Hop, hop. Et on va monter. Oui, mets-toi plutôt sur cette marche là. Alors. On prend ça. Après, je vous montrerai. J'ai fait, je pense que j'ai fait quelques petites retouches sur le bateau là-bas que j'ai fait dans l'épisode précédent. Hop. On va sauter. Le toit, j'ai pas envie qu'il soit trop grand. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je pense que ici, je vais mettre des demi-dalles. Hop, recouvrir tout ça, tout le toit entièrement. Et après, tech, merde, j'en ai plus. On descend la table d'enche de la table de craft. Hop, 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 hop. On se refait des slaps. J'ai vraiment hook. Au niveau du bois ici, j'ai rien quoi. Ça me saoule. Mais j'ai vraiment rien quoi, ça... Oh, j'ai l'Elder Pearl, j'ai le beacon de toute manière. Oh non, ça va aller trop loin. Non, allez, pas de blague. Putain. Allez, là tu... Il y a l'homme retombé dessus. Non, ouf, putain, tout juste. Je suis une merde au visage d'Elder Pearl. Oui, le bateau qu'on voit là-bas, qu'on voit... Enfin, qu'on voit à moitié à cause de ma render distance. Parce que... Putain. Niveau FPS, je suis assez bas. Ouais, moi j'aime bien. Ça fait vraiment un peu tour de sorcier comme ça. Peut-être un peu trop large, mais il me fallait de la place pour les bibliothèques là en dessous. Donc, bon, je vais raser tout ça. Mes outils sont dans mon Ender Chest. Voilà, voilà. On récupère tout ceci. Et maintenant, je vais aller faire une table d'alchimiste. Est-ce que j'ai des blaze rods? J'espère que je les ai pas toutes gaspillées. Elles sont
Ouais, elles sont toutes passées dans le... Châtiment sur DT3. Je crois qu'elles sont toutes passées... Ah, Redimax a quitté la partie. Ouais, elles sont toutes passées dans mon four. Parce que depuis que j'ai appris que les blaze rods pouvaient être utilisés comme carburant, je me suis pas gêné. Hop. En plus, j'ai équipé l'inventory de tout mon item, je m'en sers pas. Hein. Je vais faire disparaître tiens même. Bon, bah, on va go nether alors. Hein. J'aime pas que mon inventaire est pas bien rangé. Je me débarrasserai de tout ça, de toute manière je vais juste dans le nether récupérer quelques poudres. Donc je me déblairai après. Hop. Et on est parti pour rentrer. Pourquoi est-ce qu'il y a du sable? Oh attendez. J'ai pas rêvé là. C'est pas moi qui ai posé ça. Oui, les poulets pondeurs. Tout à fait. Ça m'énerve un peu. En fait, je comprends maintenant pourquoi ça produit quasi plus. Je vais chercher des graines, je vais les reproduire. Je vais t'expliquer. Ok. Mais plus tard. Voilà, comme ça il est informé. Hop. Ok. Pas de soucis. Ok. Hop. Récupérer ça pour nourrir les poulets pour que se remettent à pondre à fond. Parce que Rayor a trouvé une super technique. Donc on met la blinde de poulet puis on leur balance une potion de dommage instantané. Celle que j'ai sur moi. Et du coup, ben on a la blinde d'XP après qui viennent sur nous d'un coup. Donc quand on a 100 poulets, on gagne. On peut gagner facilement 25 niveaux d'un coup. Donc c'est plutôt efficace. Hop, on va monter là et on va nourrir les poulets. Fuck, ils sont trop bas. Si je pète ce bloc. Non, ils peuvent pas se barrer, ils sont un demi-bloc trop bas. Voilà, donc je les nourris, ils vont faire des bébés poulets. Une fois qu'ils ont fait des bébés poulets, ils pourront répondre de plus belle. Et il y en a pas encore un ou quoi qu'il faut choper une graine? Non, aucun. Voilà. Super. Et on va redescendre. Voilà, voilà. Et on est parti. Donc, Brisingr, donc c'est mon épée. Donc, je l'ai renommé comme ça pour. Parce que ceux qui connaissent Eragon, je vous mettrai peut-être une image dans. Une image du livre. Genre, je vais le noter en fait pour pas l'oublier, comme ça, parce que dès que je dis un truc, voilà. Parce que sinon, je vais oublier et dès que je dis un truc, je le fais pas, donc je le note. Voilà. Et on est parti. Donc le bateau, là, que je vous ai montré dans le dernier épisode que j'ai construit, c'est un bateau école. Non, je suis con, c'est par là. C'est un bateau école sur lequel je voudrais bien, où je fais mes études plus tard. Donc c'est pour ça que je le construis aussi, parce que c'est un petit coup de cœur. Ah, ma future profession, il n'y a pas de la bouffe. Oh bah tiens, un sceptre de blaze, bah super. Même pas besoin d'aller chercher, d'aller les buter, super. Donc hop, on retourne chez nous. Et on va aller aménager tout ça pour pouvoir faire, pour pouvoir continuer la potion. Oula. Voilà, ça glitch un petit peu. Alors, il me faut de la cobble. Je crois que j'en ai encore deux. Ouais, là, deux, super. C'est rangé, ça? Ouais, c'est rangé. Et moi, je range mon inventaire. Donc, une table de craft. Elle est là. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous mettrez un set de blaze et trois. Ok, vous avez une distilleuse ou alors table d'alchimiste en fonction de la langue de votre jeu. Donc, on est parti. Oui, je vais faire le plancher juste après. Moi, ouais, je sais. Hop. Non, j'avais pas de place pour faire autrement. Pour ceux qui se demandent. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Et je vais mettre des coffres là.
Ouh, je vais enlever ça. Voilà. Quand je dis ça, on va aller faire le sol en dessous. Parce que de la dirt, c'est moche. Attention, efficacité. Ouh. Ça va tellement plus vite. Encore deux, ça va beaucoup plus vite mon créa. Je kiffe trop. Hop, hop. Un. Hop. Ah zut, des zombies, je me disais bien. Ah bah il fait nuit. Putain, il y en a encore. Merde, baby zombie, il est où? Hop là. Voilà, one shot. Ça t'apprendra un petit peu de poulet. Et maintenant, on va aller placer les coffres et tous les ingrédients utiles. Bah super, j'ai des coffres utiles pour faire des potions. Dans ces coffres, il y aura déjà des verres du Nether, des priors. Je viens me rendre visite. Merde, il est en train de se faire buter. Putain, il me fait flipper à se prendre des dégâts comme ça. Bon, et ben, donc, on va dire ce coffre-là, c'est le coffre ingrédients, donc je peux déjà mettre ça. Et je vais placer un petit coffre ici pour les potions déjà faites. Donc ça, on fait ça. Ça, on en a pas besoin. On va redescendre. J'aime bien comme je l'ai mise ma table. Ça fait un peu plus rangé. Il doit écrire. Il est en train d'écrire. Alors, donc les ingrédients, ils sont là en dessous dans la salle des coffres. Donc on va prendre les trucs les plus basiques, hein, parce que les perles, l'arme de ghast, j'en ai pas beaucoup. Donc alors du coup, on va prendre ceci pour le truc pour les potions de speed. Est-ce que j'ai quelque chose encore d'intéressant là? Non. Lol, un zombie a spawné dans tes moutons. Moi je vais devoir aller le buter parce que les moutons, je les entends, ils sont un peu trop près. Je vais prendre ça. Il est armé d'une laine. XD, bon, on va aller voir ça. Ceci, il va falloir que je refasse mes réserves parce que j'ai vraiment plus rien. Et le plus important, on va prendre ceci et un œil d'araignée. Que je me ferai des araignées. Ah, il. Qu'est-ce qu'il fait ailleurs? Ah, bah merci. À l'appel parce qu'il n'y a pas de respect. Merci. Alors, c'est pas éclairé, c'est pour ça. Je vais le faire. Oh oh, non non non, Creeper, tu te barres de là toi. Merci. Ok, donc les Creepers, toi qui viennent pas, ils me dérangent pas. De rien. Ah bah merci, merci. Donc alors, ici, j'ai dit les ingrédients. Donc on va mettre ça là et ça là. Et de l'autre côté, j'ai dit que j'allais mettre quoi? Ouais, tout ce qui est fiole d'eau et tout ça, parce qu'il faut quand même. Il faut quand même des fioles d'eau, ça pour le sucre, pour les potions de speed. Je vais redescendre. Putain, ça me fait peur, moi j'entends du bruit. J'espère que s'il y a un creeper qui rentre dedans, je me suicide quoi. Parce que s'il explose, je suis vraiment pas dans la merde. Donc, maintenant on va aller chercher tout ce qui est sable. Non, non, ah merde. Sortir de là. Parce que j'ai encore des vitres. J'ai du sable, super, on va aller le faire cuire. Je vais aller faire cuire ça dans mes fours. J'aurais pas ici. Ouh, il y a de l'or là, super, je vais le prendre, je vais aller l'amener. Tu fais quoi toi? Genre, il se prend même pas mes flèches.
Alain Crame. Comme tu peux pas monter aux échelles, tu vas me foutre la paix. Voilà, il est mort. Même pas. C'est abusé comme ils sont résistants, les bébés. Baby zombie. Oh, t'es avec ton intelligence de merde. Viens dire, voilà, y'a rien pu faire. Ouh putain, un gangbang de zombies. 1, 2, 3. Oh non, une, deux tapinettes. Même pas. Mais ils sont sérieux là. Voilà, prenez-vous des coups de briefing dans la gueule, comme ça vous foutez la paix. Mais allez-y quoi, continuez les mobs. Faut vraiment que je finisse de torcher cette zone. Voilà. Alors, où en étais-je avant de devoir buter tous ces zombies? Ça mousse. Donc les vitres. Putain, on va remplir tout ça de fioles d'eau. Ça arrive tranquillou. Je vais faire tout cuire, comme ça je suis sûr de ne manquer de rien. Oula. Voilà, toi tu meurs. Et on a oublié les, vraiment des trucs les plus importants. C'est poudre de redstone, poudre de creeper, redstone et glowstone pour pouvoir améliorer nos enchantements. Donc ceci, ceci. Et poudre de redstone, glowstone et de la redstone que je prends. Et la glowstone, j'en ai vraiment pas. Il faudrait vraiment que je parte en chercher. Mais je... Ah merde! Zut, fuck! Toi t'es mort. Mais il y a la blinde de... Je... Look, le bébé zombie, faut le faire. Mais meurs, putain! Mais genre, ils sortent d'où? Bon, ok, je me fais assaillir là, je sais pas ce qui se passe. Putain. Allez hop, dans le lit, parce que là c'est bon, je vais se faire attaquer de partout. Ce serait bien qu'il dorme parce que... Ou alors déconnectez-vous. Ok, merci. Bon, alors, on va continuer. Déjà 18 minutes de vidéo. Pour n'avoir quasi rien fait, c'est tellement énervant. Alors. Hop, 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 ça nous fait déjà... Tech, et toi, tu ne me sers plus à rien. On va aller les remplir et on va aller les placer. Est-ce que j'aurai assez... Merde, placer... Au revoir, au revoir, et au revoir. Non, 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 ça je m'en fous. Voilà, donc vous vous barrez, vous serez gentil. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ça. Ça me fera vraiment plaisir. Hop, donc ici, donc c'est fiole d'eau. Voilà, mettez-vous là. Donc pour ceux qui savent pas, c'est majuscule. Vous prenez par exemple un objet genre ça, je vais en disperser partout. Vous prenez l'objet, vous faites majuscule, double clic, et voilà. Tout se réunit dans le coffre. Et la redstone, et je vais quand même choper parce que là c'est les ingrédients et ça. Donc les besoins primaires, c'est ici. Et c'est bon, donc on va déjà en prendre 3. Hop, j'ai pas mis la glowstone, je vais le faire tout de suite. Je mets la glowstone, on va prendre 1. On va diluer. Ouais, faudrait que je fasse des melons dorés, mais ça je ferai plus tard. Ah oui, une table de craft, c'est important aussi ici. Parce que tous les ingrédients ne seront pas faits spécialement. Je vais la mettre où? Je vais la caser là. Là.
là. Je présume que ça a fini. Oui, donc ça a fini. Ça, je remets là. Et on va faire... ouais, zut. J'aurais bien voulu faire des potions de dégâts. Mais il faut des champignons et des yeux d'araignée fermentés. Donc on va pas faire ça maintenant. Je fais des potions de régène. Pour faire des potions de dégâts pour plus tard. Et maintenant, on va... Donc le bâtiment est fini. Et on va aller faire vite fait le hangar. Est-ce qu'on a encore le temps? Ouais, l'épisode sera un peu plus long que d'habitude. Toi, tu reviens là. Et let's go. Ouais, j'ai une usine à bois là-bas. Donc go. 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 On va balancer une enderpearl pour aller plus vite. Psoup. Voilà. Ah oui, il restait plus que ça en fait. Ok, d'accord. Alors, on va replanter ça. Et recouper ça. Petit lag. Donc on est toujours sur l'infinity. Hein. Donc 42 morts parce qu'on avait on a redivisé les morts en deux. Mais hier je suis mort mais comme un con. On peut vraiment le dire mais vraiment comme un con. Et, mais c'est quoi ce truc? Ça sert à rien, barrez-vous. Voilà. C'est pareil. Donc le hangar je pense le faire ici. J'ai pas fait de plan. Donc on va encore faire ça à la n'importe nawak. Donc un hangar, vous savez tout ce que c'est. Hein. Donc... J'ai un morceau de poulet. Non mais... Ah, j'ai un morceau de poulet. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Hop, je suis au même niveau. Je vais faire sur un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, j'ai plus assez de bois pour ne pas changer. Faut dire que j'ai jamais assez de bois. J'espère que j'en aurai assez. On va les refaire repousser tout ça. Pousse. Et pousse. Voilà, c'est parti. On récolte tout ça et on se laissera juste après qu'on ait fait relier les piliers entre eux. Et on se retrouvera pour une prochaine fois pour faire le hangar entièrement. Hop. On va replanter ça et on va laisser on va laisser tranquillement pousser. Bien sûr, il me faut du bois complet, sinon ce serait pas marrant. Hein. Alors, et comme ils sont 10 d'écart, j'aurais pas assez. Bah, tout juste pour faire deux rangées. Voilà, droit de 1 et 6. Hop, donc ici je pense faire tout laisser ouvert, faire une grue à cet endroit là. Des petits projets sympas comme ça. On va faire pousser encore 2-3, comme ça je suis sûr de pouvoir finir de relier. Oula. Voilà, j'en ai 16, et ben c'est parfait. Et puis il va me suffire. Range-toi un petit peu, merci. Il va me suffire de replanter ça et ça. Et fuck you pour les pouces. J'irai en rechercher au spawn. Et voilà. C'est relié. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Hardcraft. Abonnez-vous si vous abonnez-vous. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé. Un commentaire positif ou négatif. Je les reçois tous et je vous dis... À la prochaine pour de futures vidéos pour finir ce truc. Oui, parce que je dis un truc parce que ça ressemble à rien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.